Et salut à tous et à toutes, bien évidemment. On se retrouve après un petit moment déjà. La dernière fois, c'était jeudi midi, si je n'abuse. Et alors, on va commencer avant de partir sur la nouvelle île de lire le petit courrier. Alors, depuis les articles, j'ai laissé cette brèche les jours de la création. La construction n'a pas un instant quitté mes pensées, l'autre jour, leur permettre l'automatisme. Autour d'une reine approuvée qu'il prierait bientôt avec nous. J'espère qu'il deviendra mon premier converti aux héritiers de Dieu, tout plus fermement possible. Ok, pas les moins. Alors voilà, hein, donc là on va partir tranquillou pour la deuxième île. Truc un peu. Non, des éléments un peu mouvementés en ce moment. Donc forcément. Donc voilà, c'était un peu compliqué de streamer la fin de semaine dernière, sachant que vendredi, bon, il y avait mon frangin qui était à la maison, donc on pouvait pas trop, enfin quasiment toute la semaine dernière en fait, c'est pour ça que j'ai pas streamé le soir. Ensuite, le week-end là, j'étais au Dijon Sighting du samedi au dimanche. Et puis bon, bah là, j'ai pas livé. Les lundis midi, mardi midi, parce qu'en fait mon taf m'a appelé vendredi et m'ont dit oui, en fait on a besoin de quelqu'un, il y a eu un arrêt maladie, donc il faut quelqu'un pour remplacer. Donc de la chance, mon contrat allait jusqu'à la fin, jusqu'à 20 octobre, donc la fin de semaine. Et ouais, ils ont du bol parce que clairement ça me gonfle un peu de chalet, mais enfin, c'est toujours un petit peu d'argent supplémentaire. Donc bon, on va pas faire la fine gueule et puis on va prendre les jours et puis voilà. Sachant que le seul truc qui me fait vraiment chier, c'était ce matin, fallait que je sois pour 9h. Ah, comme à 45 minutes en voiture de chez moi pour un groupe de 35 personnes et qu'il faudra que je fasse pareil, mais bon, pour 10 heures un groupe d'une vingtaine de personnes dimanche matin. Voilà, puisque dans ma profession, eh bien, on travaille les week-ends et ils m'ont fait clairement, puisque tu travailles que les après-midi en gros. Enfin, j'ai travaillé lundi après-midi, je vais travailler mercredi, jeudi, vendredi, samedi après-midi. Mais j'ai travaillé donc aujourd'hui toute la journée et puis dimanche toute la journée. C'est tendu du cul et enfin, ça me gonfle un petit peu. Bon, ça j'en vais plus lire en mettant sur pause ou quoi que ce soit, parce que je vais plus parler de ma vie que du jeu là, clairement, parce que bon, ça parle beaucoup trop pour moi. Ça me gonfle clairement, vous avez déjà mon avis là-dessus. Voilà, au charbon. Où est-ce qu'on voit le coup en... Bon, bon, oui, on va y aller. Top. Voilà. Très bien. T'es quoi ce trophée du coup? Ah, toutes les tablettes des jardins verdoyants, ok. Les trucs de la vie. Alors, si je continue par l'aventure, nanana. Top. Il y a ce qui part. Mais ouais, enfin, c'est... Mais du coup, les midis, je l'arriverai pas lu de la semaine en tout cas. Pour presque la prise du taf, donc bon, c'est compliqué. Mais bon, de toute façon, là ce soir, on fait du Dragon Quest Builders, même si j'ai vu que je pouvais faire du Trails of Cold Steel 3. Mais on le fera demain, comme je l'avais annoncé, finalement tranquillou, sur mon
sur mon putain, sur mon Facebook ou sur mon Insta, sur mon Twitter, pas sur mon Insta. Mais voilà. Allez, au charbon, la deuxième île. Ça me donne par la lune. Je suis encore un peu claqué de mon week-end du fait que j'ai dormi que 2h30 la nuit de samedi à dimanche, de vendredi à samedi. Certes, de la nuit de dimanche à lundi, j'ai dormi 10h, mais quand même. Allez, on va explorer un peu tout ça. Alors, il faut que je reprenne un petit peu les commandes. Un bloc de fer. Voilà, un peu. Je récupère ça. Ce sera déjà pas mal. Je peux toujours pas récupérer ça. C'est des trucs que j'ai déjà dans ce genre de choses. C'est quoi là? C'est juste des tas de terre. Très bien. Top, allez, on va faire un peu de grimpette si j'y arrive. On va essayer d'économiser au maximum nos blocs. Ce qui n'est pas forcément gagné. Voilà. Allez, top, le petit bloc là-bas. Pas trop où on doit aller, mais... On a tout fait, on va lui péter la gueule. Voilà. Donc là, on a une étendue de sable là. À perte de vue, hein, c'est ouf. Hop là. On a une petite ligne là qui est pas encore très très compliquée. Des rondelles de cactus. Allez. C'est de volonté le scorpion. C'est pas le même. Il y en a un qui commence, pas l'autre. J'ai pris un pour le chien.
si tu veux, je m'en mets un petit peu vers la direction. Cela, on va les récupérer, clairement. Ils vont nous permettre pas mal de choses. On va le trouver le slime aussi. Très bien, par là il n'y a rien. On va rater ces lignes de là. Ah, il y a potentiellement un truc par là. Alors là il y a un gros monstre déjà. On va l'éviter. Hein. Yes, là, on va la récupérer. La barricade, on la récupère. Ça, si on avait déjà une caisse. Non, là, j'en ai une caisse. Ça, je suis triste pour pas le casser. Le mur d'adobe, les briques ont suffisé. C'est quoi ça? Déjà les monstres là ont fait 0 de veille. Sa vie en plus aussi. Oh putain, c'est trop cher. Ça va pas. Ah. On va déjà activer le body globe. C'est ce qui me semblait, j'ai rien. Ah merde. C'est pas ce que je voulais faire. On va attendre que mon chien se réveille. Allez.
sans faire. Putain, les dégâts et les patates qui jouent. De trouver l'endroit où on doit se rendre. Alors je suis désolé pour le bruit, mais on va le voir super fermement. Hein, jusqu'à ce que je trouve un endroit où je pourrais me poser. À moins qu'on se régénère un peu tout seul au niveau de la santé par moment. Je ne pense pas, mais non. Ah si. Alors, on a un petit truc. J'ai vraiment du mal avec cette croix. Sert à changer d'outil. Oui, je peux pas l'examiner. Alors. On va voir un petit peu sur l'autre. Ah ouais. Ça peut pas être sur l'eau, parce que sur l'eau, il n'y a pas suffisamment de fleurs, il faut juste trouver la bonne à mettre au centre. Et de toute façon, il y avait quasiment que des blancs qui sont seuls. C'était vite vu. Ce genre d'énigme à la con. J'aimerais bien savoir où est-ce que je dois aller quand même. Ça peut être pratique, il paraît. Alors en vrai, on peut lui botter le cul, ça nous permettra de... Voilà, ils sont trop nombreux pour ça. Yeah.
on récupère un peu de bouffe. C'est le principal. Ou si on préférait tomber directement sur là où on doit aller. Je pense que je l'ai loupé comme une grosse merde, c'est tout, en voulant longer la côte. T'as forte chance. Et ouais, voilà, bref, en gros, des week-ends bien mouvementés, là en théorie, après le vent, au taf, ils pourront plus me faire chier avec leur connerie. Je vais enfin quitter ce boulot qui me plaît pas. Mais, que je fais juste pour avoir un peu d'expérience. Le culturel, en temps. J'avoue que c'est pas forcément le plus attrayant. Ok, donc là je suis bloqué. À moins de pouvoir monter très très haut. On a un peu de parcours. Le problème c'est que ce jeu c'est le schnapps total. Aussi bien réussi que de la merde, voilà, qu'est-ce que je disais. Bien explorer l'île, hein, on a déjà quasiment cartographié tout le... Là c'est l'oasis, là c'est là où il y avait le gros monstre. Ouais. On va bien réussir à faire le tour de l'île, comme ça ça ira très bien, on aura déjà une cartographie générale du portel. Je sais pas si c'est forcément la bonne idée du monde, la meilleure idée du monde. Il y a une énigme ici. Probablement faire un truc avec les rails, mais... On va essayer d'avancer même si on fait pas toute l'île. Ah, on va pas se mentir. On va essayer de péter la gueule au petit marteleur là. Comme ça, top, voilà, on prend notre level up. Top. Alors, la nouvelle ressource de Baco. Épée de cuivre, plus 40 en attaque. Ce qui sera
sera fort pratique quand on voudra retourner botter le cul des monstres sur un peu plus puissants sur les îles, hein, sur la première île notamment. C'est bien quand ça se déclenche correctement. Voilà. On va enlever. On peut pas. Oui, très bien, on peut pas. Donc je suppose qu'il faut faire comme si c'était un dé qui avait roulé. Pas de jaune. Il me reste le vert. Dégage, putain. Je t'ai mort. Le principal, c'est que l'énigme a été résolue. Voilà. Allez, on continue le tour de l'île. Avec
puisqu'on va faire le tour du coup. Comme si on était vraiment bloqué. On va essayer de grimper là-haut. Comme si il avait dû avoir affaire à de l'eau pourrie, croupissante, quoi que ce soit, comme on a eu à machin à Berchon. Ici ils ont de la putain mais c'était mort. C'est déjà de l'eau pure, on va pas se plaindre non plus, hein, ces pécores de mineurs. Putain. Seriously, je suis tombé dans un trou. What the fucking fuck. Bon allez, on va la jouer à la Minecraft, hein, c'est comme ça. Puisque ce jeu a l'air de me détester autant que je le déteste. Voilà, je sais pas du tout ce que je sais absolument pas ce que je dois faire et où je dois aller. Ce qui est fantastique. Bon, là on a le village en question, mais qui est juste à côté, mais on ne peut rien y faire. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un personnage que je dois trouver, un élément qui doit bouleverser ma vie? Ah putain, t'es sérieux, le bateau il est juste là. Explorer cette putain d'île. On a quand même tir plutôt bien rodé. Alors. Est-ce qu'elle va nous envoyer? Non.
qu'est-ce qui peut nous aider à sortir? Vas-y, j'ai une plaque de mémoire que je peux utiliser, je suis sûr. On essaye d'avancer un peu parce que là on a fait un peu le tour de l'île, mais on n'a pas de temps à avancer que ça dans le scénario. Sur Eau-Charlie. Merde, hein, les îles. Oh, j'avoue, le temps de l'ambiance, les héritiers de chaos sont fermés, la mine n'a plus rien du tout, c'est un des premiers ici, avant je jouais, il y avait de l'ambiance. Je suis désolé, hein, je suis toujours un peu éteint, mais ça ira peut-être mieux demain quand on fera Trails of Cold Steel 3, hein, puisque ce sera la découverte. Là, le jeu il parle beaucoup trop et que ça me gonfle. Alors j'ai pas testé, j'ai pas, même pas été voir si le jeu tourne en français, puisque c'est Nice America, enfin c'est pour te conseiller que je vais tester Tox 3, donc on l'a eu par Nice America, donc je sais pas si si on arrivera, si le jeu sera en français ou pas. Alors qu'est-ce qu'il raconte ces yeux, pourquoi pas. Non, mais alors c'est qui? Ah, c'est lui. Je pense que... Thank you.
qu'après l'agriculture, la mine. Bienvenue dans Minecraft 2.0. Avec du bois et puis ça ira très bien. Là, le problème c'est qu'il faut trouver un atelier. Ah il est là. Bon, déjà on va se faire ça. Hein. On va en avoir besoin. Il me faut de la corde. La corde. Est-ce que ça, ça tombe de la corde? Oui. Un petit peu de corde. Voilà. Ah putain, j'ai bande illimitée. Wow, ça marche aussi sur cette île là. Il est où mon tonneau? Ce truc là, hop. Allez, on attend un petit peu. C'est un peu longuet. Allez, voilà. Je peux placer ça. Ouais. Oh, tu serais doué que derrière un comptoir à la tisseuse. Ah, et ben alors, va me faire goûter ton jus de béarn. Ça fait plaisir. Vers le poison, entre les héritiers, le mystère des bâtisseurs. Ah voilà, attention et écoute. Oui, oui, oui. De toute façon, ça peut pas être le méchant, c'est trop tôt dans l'histoire. Moi je veux juste récupérer mon truc. La chouquette toxique, un verre toxique piquant. On va déjà placer du coup là. Ce truc là. C'est comme une map pour augmenter. Ah, ça. Je peux deviner ça. Ah,
éviter de tout casser aussi, enfin, parce qu'a priori on en a besoin. Je suis cassé de partout. Très bien que je puisse sortir ça quand même. Parce que je vais en avoir besoin.
que je vous ai déjà dit à quel point j'ai testé Monster Hunter, mais Dragon Quest Builders. Ouais. On n'est pas au niveau de Monster Hunter, mais... Allez. Ah voilà, en parlant de Monster Hunter, Iceborne s'est mis à jour. Comment ça se pour tenir sans les étés du coup, mais ça c'est un autre problème. Voilà. Architecturalement parlant, sans le bas des colonnes. Ah oh, putain, je pensais pas être défoncé à ce point. Les escaliers. Mm-hmm.
Désolé, dû à un problème technique, dû à un souci, je sais pas ce qui s'est passé, et en fait j'avais plus d'écran, plus rien, c'était un cauchemar. Du coup, vous aviez le son, mais moi j'avais plus rien. Du coup, fini le dialogue, je vais couper, parce que du coup le live fait 5h et quelques, mais faudra que je fasse tout ça, donc ça va être génial encore. Là-dessus, je vous laisse, je vous dis à ciao et plus, désolé pour tous les inconvénients, et à ciao à plus pour ce soir normalement.